Salut, j'espère que vous allez bien, et pour cette vidéo, ce sera la vidéo d'achat manga du mois de janvier. Donc sans plus attendre, on commence. Donc je vais commencer avec les mangas de l'univers de GTO, avec le 15e et dernier volume de Young GTO. Donc c'est les fins de l'aventure de Ryuji et de Onizuka, et franchement, j'ai bien aimé. Alors comme tous les mois, là j'ai pris le tome 18 de la nouvelle édition de GTO. Toujours de Toru Fushisawa, alors ce tome là est très cool. Alors je me suis également procuré le tome 13 de Sky High Survival. Très intéressant. Alors j'ai également pris le tome 9 et avant-dernier tome de Red Ace Sword Zero. Alors dans ce tome là, il y a l'arrivée de Narenda. Franchement très cool. Alors j'ai également pris le tome 4 de Dr. Stone, dessiné par Boichi. Alors ce tome là est très cool, comme les trois premiers, hein, c'est pas une surprise. Je me suis également procuré le tome 3 de Fates and Night Evansville. Du tome 8 de To The Abound Secret Beast, le manga de Maybe. Du tome 9 de Fire Force de Atsushi Okubo. Du tome 3 de l'adaptation manga de Psychopass, donc la saison 2. Alors le tome 7 et dernier tome de Sword Art Online Progressive. Le tome 2 de Gunm Last Order, la nouvelle édition, le manga de Yukito Kishiro, que j'ai hâte de lire. Du tome 15 et avant-dernier tome de Tokyo Ghoul Re, le manga de Sui Ishida. J'ai hâte de le lire, vraiment très cool. Alors je me suis également procuré le tome 2 de Eden Zero, donc là c'est la version collector. Moi bon, je le lirai quand j'aurai le temps. Alors dans ce tome là il y avait voilà, des petits goodies en plus. Voilà, comme des petites cartes postales. Quatre marque-pages. Et un petit livret avec un petit chapitre inédit. Et des petits artworks. Franchement, un petit tome collector fort sympathique. Et pour terminer cette vidéo, voilà le tome 2 de la nouvelle édition de Blame, le manga de Tsutomu Nihe. Franchement, j'ai hâte de le lire. Franchement, très cool. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !